Fait un petit parallèle avec cette brillante joueuse norvégienne. Ouais. Ouais, c'est bien fait ça. Il fait presque du saut en longueur hein, avec ses très longs appuis, ses très grands appuis. Avec une feuille de match, on l'espère pour eux, un peu plus dense, hein, parce que 13 joueurs. Ouais. Oh la relance, oh c'est bien fait ça. Ouf. Ah ouais, c'est bien, plein de culot. Et regardez, regardez le score, hein, les Istriens qui pour l'instant jouent crânement leur chose, leur chance. Qui remplace Rasmus Nielsen à l'aile. Berkus, ouais super. Voilà Berkus qui a été mis dans de bonnes conditions. Ouf, ouf. Ah c'est difficile. C'est très mal. Il fait très très mal, Rokovnicek. Souvenez-vous également de la mésaventure de Nantes après cette splendide victoire ici contre Kiel. Oh là 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 là, la merveille, coin long, pleine lucarne, Thibaut Briet qui. Gros potentiel. Aïe 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 aïe. Et attention parce que ça peut aller très très vite sur quelques contres. Et oui, de nouveau ce plus 3 grâce à Audrey Ossola. Et Vanek qui fait la rotation défensive avec Parisini. Oh, oh superbe. Ce tir pas en dessous, le coup de canon signé Linus Persson. Ah, il a été miné par les blessures, notamment ce genou gauche qui est toujours strappé. Il a les capacités bien sûr, regardez, il le monte tout de suite. Sorti de Théo Mollard. Rokovnicek. Ouais, bien joué. Rokovnicek et l'arrêt de Menendez face à Théo Monard. 2 secondes. Ouais, ça va passer à côté. On en reste là dans cette première période totalement débridée. Avantage en faveur du H qui longtemps hein, a dû faire face à la menace istrienne. Il y avait 11-10 après 18 minutes et gros coup d'accélérateur de la part des Nantais qui rentrent au vestiaire avec un très net avantage. 23-15 à la pause. Mais néanmoins, ça montre combien cette équipe d'Istre est accrocheuse et joue très bien au handball. Allez, c'est reparti. Accrocheuse, vous l'avez dit, cette équipe istrienne qui va tenter de lutter et de s'accrocher dans cette seconde période, même si l'écart est déjà conséquent. Ouais, on va attaquer dans le dos du jeune belge, Saint-Cotters. Un peu tendre lui aussi, c'est bien fait la passe. Ouais, le kung-fu. Oui, ouais, malgré son intervention, ça passerait. Oh, Paché, Raphaël Cotters au cœur de cette défense nantaise et la relance. La punition jusqu'à Valero Rivera. Les frères Godin. Que l'on connaît, c'est bien, bien ça. Évidemment. Vanek encore. La saison prochaine, hein, il a signé à Aix. Ah, il aura fait. Oh, c'est bien fait ça. Oh, c'est bien 4 fait. Saisons à Istres. Ouais, la passe encore. Bien sûr. Début décembre. Et regardez Olson. Hein. Olson qui prend confiance. De la Bretèche. Ouf. Pas de faute, voilà, relance, elle est parfaite. Relance, c'est magnifique, magnifique. Ouais, oui, magnifique. Jusqu'à Rasmus Nielsen, et regardez, Istres n'est plus qu'à 4 buts. À Saint-Raphaël, une défaite d'un petit but. Face à Nîmes également, hein, elle a été courageuse cette équipe istrienne. Et puis dernièrement face à Chartres. Grégory Cojean aujourd'hui. Et encore cette passe dans le dos. Ouais, mais attention de ne pas trop en abuser. Hein. On est bien, côté de Lucas Vanegg. Pas tomber dans la facilité parce qu'en face ça peut. De la Bretèche qui va fixer. Ouais, bien Lucas de la Bretèche à 7 mètres. Que parler son physique. Les 10 dernières minutes. Et Istres, vraiment, aura vendu chèrement sa peau. Impressionnant, ça passe, Lucas Vanegg. Quel magicien, vraiment. Et encore, il se régale. Ouais, ça, encore une défense apathique qui recule. Attention, ballon perdu. Ça va aller au bout, ça. Avec Thibaut Briet. Même si cette équipe est amputée de certains joueurs, même si il n'y a que 10 joueurs professionnels aujourd'hui. Regardez, continue de faire le show, de faire le spectacle avec Vanegg, encore. Lucas Vanegg à la réception de ce kung-fu. 23 en première période. Ouf, ouf, c'est bien fait. Oh, ouais, l'intervention de Ledo Menendez. Contre Célestin en finale, on s'en souvient. Berkus contré. Encore 2 minutes 30. La relance avec Lucas de la Bretèche. Ces deux hommes ont fait du bien. Lucas de la Bretèche, Baptiste Damatrin en seconde période. Ah, Rasmus Nielsen qui ne s'attendait pas à recevoir ce ballon. Allez,
Allez, le dernier tir, et on en reste là. Istres, comme souvent cette saison, c'est bien battu. Longtemps revenu à 4 buts du H dans cette seconde période. Et finalement, record de buts pour Nantes cette saison. 40 à 32, la victoire du H qui signe une quatrième victoire consécutive. Une victoire qui sera riche d'enseignements. Nantes a eu pas mal de relâchements en défense en seconde période.